J'ai pas une tête de plouc un peu avec les cheveux comme ça là. Non, c'est très beau. T'es sûr? Non, parce que là je suis en train de me filmer, je parais de ressembler à mon caca. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Alors, il s'est passé au moins 10 jours sans qu'on ait pris la caméra. Tout simplement parce qu'il faisait très froid et qu'on a de la flemme. Voilà. Hein. Hop. Et donc là, on a beaucoup bougé depuis Bari et on est monté jusqu'à Saturnia. Saturnia qui se trouve entre Pise et Florence. Et alors pourquoi on est allé jusqu'ici? Tout simplement parce qu'il y a des bains chauds. Et vu qu'il commence sérieusement à faire froid, et ben c'est sympa de se dire qu'on est on est quand même 1er décembre aujourd'hui et qu'on va aller se baigner dans des bains chauds qui sont à 37-38 degrés. Et en plus, on a le soleil avec nous. Donc c'est chouette. Ce matin, on s'est levé, il faisait vraiment froid, on voulait même pas se baigner parce que c'est un endroit quand même magnifique. On va quand même sûrement se baigner. On va profiter pour se laver aussi par la même occasion. Alors ça sent un peu le soufre, mais c'est clairement pas dérangeant. Là, vu qu'il fait bien froid, l'air est bien froid à l'extérieur et que l'eau est chaude, ça fait une fumée, c'est impressionnant. Ça brûle. Ça brûle? Oui. Oh. Ah, ça pique. On va y aller du coup. Hein. Ouais, donc là, on a traversé la rivière. L'eau est un peu plus fraîche ici, enfin fraîche tout est relatif, hein. Elle doit être encore à 35. Et voilà, pour prendre un peu du recul, pour faire des plus belles images. C'est clair que c'est vraiment très beau. Ah, tu me crois que ça n'enchange pas l'équipe qui gagne? Alors juste ici, elle est gelée parce qu'il y a une source qui arrive là-bas et elle est froide. Et plus on s'avance, plus l'eau est chaude. Ah, ça change.
la frontière française et on est bien content de retrouver nos bonnes autoroutes qui sont chères mais où il n'y a pas de trous, où il n'y a pas de travaux. On roule tranquillement et on est quand même plus rassuré, c'est moins fatigant de rouler sur ces autoroutes là. On est parti pour aller faire une petite surprise à mes parents, on va rentrer plus tôt que prévu. Là on a vraiment joué le jeu, on leur a fait croire qu'on était en ce moment aux 5 terres, qu'on avait pris un Airbnb hier soir alors qu'on était chez mon frère à Marseille. Ça va être bien marrant je pense. On a de la neige fondue sur la route. Alors là on vient d'arriver chez moi, donc on va aller faire une petite surprise à ma grand-mère parce que mes parents sont pas encore là. Allons-y. Ils sont là, les parents? Non, ils sont pas là. Bon, alors ça, bon alors du coup après les parents de Mélissa qui se sont fait avoir, on va faire la surprise aussi à mes parents, on va filmer la scène quoi. Je suis de mèche avec mon frère et il va faire style qu'il y a un colis et ma mère elle va devoir descendre au portail. Oui, j'ai recommandé pour madame. Et regarde toi qui filme. Papa, il est où? Il est à la gauche. Surprise. Tu t'attendais pas, hein? Ah, non. Pour le moment, la crise.